Donc du coup, ouais, bah, là on va au... J'ai décidé de sortir aujourd'hui, d'aller au skatepark de Saint-Torens. On va voir si y a du monde ou pas. Donc j'ai mon cache-nez, j'ai mon attestation de surlendeur. Des papiers. Ok. Bon, je vais pas le toucher parce que tout le monde l'a touché. Donc, je vais me balader un peu, tant pis, je fais du cruiser. Au moins je fais du cruising. C'est déjà ça. Il y a des gens, enfin il y a une personne là. Je pense pas que ça soit un risque vu qu'elle est loin. Et là il y a vraiment personne sur la route donc c'est cool. Bon, là ça a pas été interdit apparemment. Mais je sais pas, c'est... Je pense que je vais prendre une petite zone, il y a du peuple, il y a des gens là-bas. J'ai un papa avec ses deux enfants. Et au fond il y a un gars qui est dans le bol. Alors je sais pas si c'est un skater ou pas. Moi je pense que je vais prendre la partie à droite. Parce que j'ai trop envie de skater. Et tant pis, hein, écoutez. Donc on va voir. Bon, le skatepark Saint-Torens il est pas interdit encore. Il n'y a pas l'arrêté. Donc ouais, c'est plutôt un père de famille avec ses 3 enfants qu'il y a. Ça va, c'est qu'une famille. C'est une famille. Bon, ouais, je prends des risques un peu aujourd'hui, mais bon. J'ai tellement envie de skater, c'est fou. Donc on va voir, je vais essayer de rester sur la même zone toute l'après-midi. Et j'espère qu'ils viendront pas me croiser, qu'ils feront pas n'importe quoi. Ah, il y a le petit qui s'est fait mal. Oh, le pauvre. Bon, bref. Excusez-moi.
vais essayer de lui demander s'il reste sur la partie là-bas et si je peux rester sur cette partie. Excusez-moi, vous restez sur cette partie, moi je reste sur cette partie. Ah d'accord, bon bah ils s'en vont, c'est bon. Peut-être avoir le parc pour moi tout seul, ce serait cool. Ouais, je sais, mais du coup, du moment qu'on prend des zones, c'est mieux parce que sinon, il y a toujours un moment où on va se croiser. Donc, c'est pour ça, il vaut mieux qu'on se croise pas. Enfin, je pense que c'est mieux. Eh non, viens pas. Ça va pas, fais demi-tour. C'est bien, merci. Ok, ben je vais essayer de faire 45 minutes de skate. Donc voilà, je vais faire que du flat, je vais essayer. Que du flat. Bon, c'est juste 45 minutes, mais je peux quand même un peu m'échauffer, j'en ai besoin. Prendre l'air, ça fait du bien. Thank you.
y a du vent, je sais pas si vous m'entendez bien. Alors, petite question du jour. Ça, c'est de l'eau, hein. Bon, c'est mon sponsor. C'est pas ça. C'est, est-ce que vous pensez qu'une épidémie peut être facilement contaminée par l'eau? C'est ma question du jour. Si on regarde un peu l'histoire des épidémies, comme la peste par exemple, à chaque fois la transmission était par l'eau. Donc ma question est pour vous, est-ce que vous pensez que le coronavirus se transmet par l'eau? Voilà, c'est ma question. Répondez dans les commentaires, vous me direz. Et ceux qui ont fait médecine, peut-être s'ils me regardent mes vidéos, qui pourraient répondre. Moi je suis un peu sceptique, parce que de l'homme à l'homme, certes. Bon allez, j'en ai fini avec le flat, je vais passer sur la barre je pense, non sur la courbe, je vais faire de la courbe, j'aime bien me chauffer sur les courbes. Allez, direct, direction la courbe. Bon allez, qu'est-ce que je tente selon vous? Je vais faire toutes les tricks possibles et imaginables en courbe. Allez, c'est parti. Je suis un petit peu endormi, j'ai du mal à avoir les bons réflexes là. Je change un peu d'angle hein, parce que sinon c'est relou. Bon, il me reste les Smith, back et front. Et c'est tout. Après, je vais changer un peu de spot. Celui-là, il passe. Bon, ça fait du bien. Je vais changer un petit peu. Même si je sais faire d'autres tricks sur cette courbe, je vais changer un peu. Je vais aller sur le rail. Sur le rail. Putain, j'hésite. Allez, un petit peu sur le rail et après j'aurai fini ma session, je pense. Ouais, le rail. Et oui, j'ai une wax en forme de cœur parce que je suis romantique. Et oui, je suis un grand romantique. Bon, c'est une wax mystery. En fait, Skateboard, c'est une marque de skate où je vous invite à voir leur page internet et leurs vidéos. Je sais pas s'il y aura assez de batterie, parce qu'il n'y en a pas plus beaucoup là de la batterie. Il n'y a plus beaucoup de batterie. Et du coup, je vais waxer, je vais skater, on verra bien après si ça coupe. J'arrive plus. Ça, c'est pas compliqué, je me rends compte. Ah ouais, ça gêne ce truc hein.
fait on voit pas sur la vidéo mais il y a ça là. Je sais pas si vous voyez. Ouais, ça gêne un petit peu, je vais essayer de l'éviter comme je peux. Ou alors je vais dans l'autre sens. Tac, non, je vais essayer. Je vais longer l'oreille. Non, j'aime pas Strix en fait, je l'aime pas. Parce que j'étais dessus quand même. Voilà. C'était un petit crook. Allez, no limit. Ouais, j'aime beaucoup les no limit. Ouais, le Ollie front lip et le 5-0, je vais essayer. Oh, ça a bloqué. Putain, j'ai peur. Je vais faire plus tôt pour le 5-0. Ouais, en fait, le problème, c'est que ça bloque. Il y a ma chaussure qui sort un peu et qui freine dessus, il faut pas. Oh putain, c'est horrible. Là, c'est pas ma chaussure qui a freiné. Là. Ouais. En fait, l'emmerdant de ce rail, c'est qu'à chaque fois, à cette zone-là, il freine, même quand tu mets de la wax. Oh, je déteste cette partie du rail. Allez, je me donne 5 derniers essais, et après, on y va, je rentre, hein, parce qu'il ne faut pas rester trop longtemps. Oh non, je reste en arrière, Oh, c'est quoi ce rail? Allez, slide mon gars, slide. Je demande que de slider. Il est vraiment horrible, ce rail. Bon, attendez, je mets un petit peu de wax. Je te fais... pas bien waxé, de toute façon je l'ai pas waxé avant. C'est chiant hein. En street t'as pas besoin de wax. T'as en parc quand les rails sont pétés ou quand ils sont comme ça là. Oh là ça slide trop tu vois. C'était bon là. Allez con ça. Oh non, là c'est moi là. J'étais pas prêt là, ça a cafouillé. Faut que je sois bien droit. Allez. Tu parles que je suis bien droit. Oh. Mais c'est quoi cette mauvaise répartition des poids que j'ai là? Bon allez, j'en fais 3 et j'arrête. Qu'il est bon. Merde. Bon voilà, la session est terminée et je pars parce qu'il faut pas rester trop longtemps en fait. Il faut essayer de laisser le parc pour que ceux qui veulent venir skater après. Jamais il y a quelqu'un qui, je sais pas, passe 2-3 fois, c'est pour skater le parc, donc il faut partir à un moment donné pour laisser la place, et c'est ce que je vais faire là maintenant. En tout cas je vous souhaite une bonne journée, c'était une cool session, ça m'a fait du bien. Je tousse un peu mais c'est parce qu'il y a le vent froid là qui arrive, et bah allez, bah du coup go.
Donc oui, je me suis permis d'aller dans ce skatepark parce que j'avais très très envie, c'est vrai. J'avais besoin de sortir, ça faisait je sais pas combien de temps que j'étais confiné là. Mais du coup j'y suis allé parce qu'il n'y avait pas d'interdiction et parce que j'ai vu une famille aussi y être dedans. Donc je me suis dit que c'était autorisé certainement, avant d'être plus autorisé. Et je me suis dit ouais ben écoute, j'y vais et je verrai bien. Faut bien prendre un petit peu de risque dans la vie. Du coup je suis content de m'être entraîné même si je me suis un petit peu fait mal à la cheville. Et voilà, je vous conseille de ne pas faire comme moi bien sûr, parce que c'est pas le bon exemple. Mais voilà quoi, plutôt de vous isoler dans des endroits où il y a la plaza ou je sais pas. Et oui, par rapport au t-shirt, bon je l'enlève un peu de temps en temps. C'est surtout quand vous croisez des personnes, moi je l'ai. Mais respirer dedans c'est pas évident, en vrai quand on fait du sport il vaut mieux pas avoir ça. Et il y a quelques-uns d'entre vous qui m'ont envoyé des commentaires comme quoi ça faisait, c'était une autoroute pour les microbes. Moi j'y crois pas trop. J'aimerais bien voir sur quelles études ils s'appuient. Parce que j'aimerais bien savoir, hein. Je sais pas tout, hein. Je suis pas un devin, enfin voilà quoi. Et oui, alors pour le t-shirt, oui, il faut le faire en session, faut pas l'emmener en fait en course. Parce que comme certains d'entre vous l'ont bien dit, on le touche souvent. Même si c'est pas forcément devant, on le resserre derrière. Comme on le touche souvent, bah, il faut avoir les mains propres et être sûr qu'on a les mains pas infectées. Et comme quand on fait les courses, on touche en fait les articles qu'on va acheter et qu'il y a d'autres personnes qui les touchent, et bah, du coup c'est dangereux. Parce qu'après on met nos mains au niveau de du visage. Donc en fait c'est un peu partagé, vous pouvez mettre un masque si vous ne touchez pas votre visage, mais si vous toucherez, vous êtes tenté de toucher votre visage, il ne faut même pas que vous mettez de masque. Ah c'est une autre question. Ah ouais ça c'est un peu chaud. Mais si on passe dans cette logique en fait, on met un t-shirt, on le touche, mais on met notre visage aussi, on le touche. Donc du coup, ce qu'il faudrait c'est avoir un masque en fait, enfin le t-shirt que j'ai autour du cou. Quand tu le mets, ben, si jamais tu dois le replacer, il faut que tu te désinfectes les mains à chaque fois. En fait. Il y a des gens qui courent. C'est cool. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous avez, en attendant, des planches de skate après la quarantaine. Vous pourrez acheter ces planches de skate. Alors il y a de la blanche, il y a de la noire bien sûr. Et il y a mon modèle signature que j'ai édité il n'y a pas longtemps. Donc n'hésitez pas. Et après bien sûr vous avez les traditionnels t-shirts en blanc et en noir. Alma Skateboard. Bon après vous avez les suites, vous connaissez. Si vous ne savez pas à quoi ils ressemblent, vous pouvez regarder sur l'Instagram de Alma Skateboard. Et je vous souhaite bon skate et bonne quarantaine skate. Ciao !